Baldur's Gate 3 a créé la surprise. Ce n'est pas tous les jours que nous avons un RPG de telle qualité. Il est vrai que de nos jours, nous avons souvent des RPG linéaires, munis d'une liberté assez limitée. Et Baldur's Gate casse tous les codes et nous permet de nous renouer des liens avec ce qu'on appelle le jeu de rôle. Cependant, étant donné que les joueurs ne sont plus habitués à ce genre de jeu, savent-ils en apprécier la recette? Comprennent-ils comment faut-il aborder ce genre de jeu? Savent-ils réellement apprécier toute la finesse et les possibilités que va proposer Baldur's Gate? Est-ce que finalement vous ne passez pas potentiellement à côté d'une expérience unique et riche? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à apprécier et à comprendre comment profiter pleinement du jeu? Des erreurs d'appréciation de ce genre de contenu qui vont malheureusement ternir votre expérience. C'est donc le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Comprendre ce RPG pour l'apprécier à sa juste valeur. Hey, salutations, noble joueur! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur Baldur's Gate 3. Tu n'entends plus que parler de ce jeu, probablement le RPG de l'année, mais est-ce que les gens savent consommer ce RPG? Pourquoi toi tu n'arrives pas à aimer Baldur's Gate et hésites encore à te lancer dans l'aventure? Est-ce que toi qui joues à l'heure actuelle à Baldur's Gate, tu sais vraiment et tu as vraiment compris des astuces élémentaires que je vais te fournir dans cette vidéo pour que tu arrives à apprécier le jeu? Car oui, des RPG comme ça, on n'en a pas tous les jours et tu ne dois pas t'en vouloir d'avoir abordé ce jeu comme un autre jeu vidéo. Car j'avais pas envie de vous faire un tutoriel basique qui vous gâche l'expérience du jeu. Moi, mon but, c'est de vous apporter un tutoriel sans spoil pour que tu arrives à apprécier le jeu et te nourrir de la notion RPG que va t'apporter Baldur's Gate. N'oublie pas de t'abonner, me follow sur Twitch si tu as envie de me discuter. Je rassure, il y aura zéro spoil au sein de cette vidéo. Et on va commencer par le point le plus important, mes chers amis. Comment apprécier cet RPG? Et la première erreur que vous devez éviter, ça va être tout de suite par le choix de ta classe. Oui, mes chers camarades, vous l'aurez compris, la toute première erreur serait d'aller chercher une ultra optimisation dans sa classe en commençant par aller chercher des tier lists, des builds, des conseils de classe, comment l'optimiser, machin, tout ça. On s'éloigne totalement de la notion RPG et le but initial de ce qu'est Baldur's Gate. En effet, il y a une multitude de joueurs qui sont habitués aux RPG classiques où vous aurez un aspect assez limité dans la création de votre classe. Le but, c'est vraiment de vous dire que vous êtes dans un jeu de rôle et que le support est un PC et pas une petite feuille et un plateau. Lorsque tu vas créer ta classe, il faut vraiment que dès la création, tu fasses ce que tu en as envie sans te préoccuper des conséquences que ça aura dans le jeu. Alors certes, tu peux suivre une certaine concordance et une logique dans la création de ton personnage en combinant une classe race pour avoir un certain lieu et partir dans une direction, un personnage plutôt diplomate, un personnage plutôt guerrier avec, tu vas dire, plutôt un nain parce que c'est un peu cliché, etc. Mais il faut vraiment vous dire que vous n'allez pas être bloqué dans le jeu parce que vous allez choisir telle classe, telle race. N'allez pas regarder les tier list. Pour vous donner un petit exemple, moi, lorsque j'étais en train de créer mon bard, plein de gens me disaient « Oui, mais bard, c'est pas si fort, ça a l'air un peu rincé et tout. » Moi, j'en avais rien à battre. J'ai fait mon petit gnome, j'ai fait mon bard, un personnage full diplomatique. J'avais pas du tout envie de prendre de compétences en combat. Et c'est pas grave, le jeu vous apportera toute la liberté et l'imagination nécessaire pour que vous puissiez créer votre personnage. Alors moi-même qui suis habitué aux tier list dans d'autres jeux vidéo, des MMO ou ça, un certain sens, je n'aurais aucun sens à vous faire une tier list sur un Baldur's Gate car vous avez 10 millions de possibilités pour atteindre un objectif et vous devez vous éclater sur le jeu car l'échec fait partie du jeu et c'est le prochain point que nous allons aborder. Oui, je vous vois déjà en train de regarder des guides et des astuces, comment avoir l'armure la plus pétée, l'arme la plus pétée, et une fois de plus, ça ne me ferait que vous gâcher de cette notion RPG. Une fois que vous avez commencé votre game sur Baldur's Gate, il faut vraiment vous implémenter et vous dire que vous êtes rentré dans un univers, que tu sois en solo ou avec tes amis, tu es dans la peau de ton personnage. Et comme dans la vraie vie, tu vas faire des erreurs et tu vas devoir les accepter et trouver des solutions comment correspondre à ces erreurs. Peut-être que des fois, tu trouveras des armes complètement pétées. Peut-être que des fois, tu tueras un ennemi que tu n'aurais pas dû. Peut-être que des fois, tu laisseras vivre une personne que tu n'auras pas dû. Et tu ne dois pas t'en vouloir car déjà de base, si tu vas t'implémenter de conseils d'autres joueurs ou d'autres créateurs qui vont te dire « tu dois trouver cette arme, tu dois ça », tu vas tout simplement te déconnecter de la notion RPG de ton personnage par crainte de ne pas être assez fort, d'être bloqué plus tard sur le jeu. Et ça, mon ami, ça va tout simplement
te bloquer et te fermer la porte à un aspect RPG que Baldur's Gate veut t'offrir. Car oui, tu profiteras beaucoup plus et tu auras beaucoup plus de surprises en ayant les choses qui arrivent par toi, lorsque tu auras reçu un petit GDD qui était inattendu, lorsque tu auras rencontré un personnage que tu n'auras pas attendu, tu profiteras d'armes qui étaient rincées et chaque équipement que tu auras, tu seras heureux de l'avoir. Et si je peux dire un petit truc bête, c'est que à un moment donné dans le jeu, j'ai vu certains joueurs qui sont arrivés sur mon live et qui m'ont dit « Ouais, tu devrais tuer tel ou tel adversaire, ça te donnera telle ou telle arme. » Ça, ça va vous gâcher votre expérience d'RP. Donc, n'ayez pas peur de l'échec, le jeu a une rejouabilité énormissime. Vous aurez la possibilité de refaire certaines choses et profiter de la découverte au plus total et déconnectez-vous le plus possible de l'aspect optimisation, astuce habituellement. Optimisez votre histoire, le RP de votre personnage en faisant son rôle dans le jeu, mais n'optimisez pas via des informations que vous allez chercher à l'extérieur. Ça va tout simplement vous dénaturer votre expérience et je peux vous le dire, vous profiterez beaucoup plus. Une autre chose évidemment qui est très importante, que vous aurez probablement l'habitude due aux autres jeux, ça va être de vous focaliser sur votre journal de quête. En effet, ça peut vous paraître bizarre, mais je vais vous conseiller de ne pas du tout ou de consulter le moins possible votre journal de quête. Vous vivez une histoire, vous êtes dans cette aventure et vous allez creuser plusieurs personnages qui vont vous raconter l'histoire de cet univers. En effet, vous allez avoir des quêtes qui vont s'évoluer, votre journal de quête va évoluer, mais vous aurez peut-être tendance à ouvrir régulièrement votre journal de quête pour dire « Ah, j'ai cette quête en cours, je vais suivre cette quête, etc. etc. Je vais aller de tel objectif à tel objectif. » Alors que ce n'est pas du tout, une fois de plus, le but initial du jeu. Vous êtes totalement libre, vous pouvez très bien le faire ça, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de garder en mémoire tous les dialogues que vous avez. Et si par ailleurs, vous allez oublier certaines quêtes et d'autres, vous allez en souvenir, eh ben c'est pas grave, c'est comme dans la vraie vie. On va vous donner plusieurs informations, plusieurs objectifs, et vous, bah, vous allez suivre l'objectif qui vous veut. Donc, on va peut-être vous dire, vas-y, dans cette grotte, il y a un peu petit trésor, et puis bah tu pars en direction de la grotte, mais en partant dans la direction de la grotte, tu te dis, ah bah tiens, je me fais, il y a un petit marchand qui parle vers moi, qui me donne un coup de main, t'aides le marchand, tu vas finir dans un lac, et tu vas finir dans une mine, et finalement t'avais oublié qu'il y avait cette grotte. C'est pas grave, c'est pas grave, ce n'est pas un truc qui est négatif, c'est un truc qui va te permettre de pousser de la découverte au plus loin possible, et après tu vas juste te déconnecter d'une marche à suivre et tu seras dans un sentiment de liberté où il va t'arriver des dingueries, où tu commences ta partie à 20h et quand tu finis à 23h, 24h, bah t'as fait plein de choses que tu n'avais pas prévues et ça te permet d'avoir une mise en place du scénario de manière incroyable. Prochain point que nous allons aborder, alors là je vous dis, c'est une info qui a très peu de joueurs qui savent et qui va avoir un impact sur votre jeu. En effet, à force de vouloir profiter de l'optimisation à son maximum, sachez que le long repos sur Baldur's Gate 3 peut avoir des conséquences dramatiques sur votre partie. En effet, lorsque tu es sur Baldur's Gate 3, pour pouvoir récupérer tes points de compétences, régénérer tes points de vie, tu auras le repos court qui te permettra de récupérer des petites compétences qui n'auront pas de réelles conséquences, mais tu as le repos long où tu vas retourner au camp et tu vas dormir avec ton personnage et ça va interagir des sections de dialogue. À savoir que lorsque tu as fait un repos long, il va y avoir du temps qui va se défiler dans l'univers de Baldur's Gate. Plus tu vas utiliser le repos long, plus l'univers de Baldur's Gate va évoluer. Ce qui veut dire par là que lorsque tu vas spam le repos long, eh ben les PNJ dans les villes vont se déplacer, il va y avoir des conséquences dans le monde. Et si tu étais dans une certaine phase de dialogue pour vouloir optimiser tes repos longs, eh ben le monde va avancer et va évoluer. Je me suis rendu compte de ça lorsque j'étais dans une partie. Puis juste avant de lancer un fight sur un boss, j'ai claqué un repos long. Et lorsque je suis revenu dans la ville vite fait pour aller chercher des potions juste avant le combat, tous les PNJ avaient disparu. Une partie, bah, malheureusement, n'était plus là. Je vous dis pas l'endroit, je vous rassure, je vous dis pas de spoil. Une partie était morte, etc. Il y a eu une évolution, une grosse timeline qui s'est passée dans le jeu, juste parce que j'avais utilisé un repos lent. Et vous l'aurez compris, c'est le prochain point que nous allons aborder. Vous pouvez potentiellement faire dans une run sur Baldur's Gate sans repos. C'est-à-dire que tu vas avoir des dialogues différents si tu ne te reposes pas du début à la fin du jeu que si tu fais beaucoup de repos, tout comme à mon avis vous pouvez potentiellement avoir une run où vous allez vous reposer tout le temps et la timeline du jeu va s'accélérer et vous allez avoir des dialogues complètement différents qui vous seront proposés dans le jeu. Donc faites attention, le long repos a des conséquences sur l'histoire et le déroulement parce que le jeu est très réaliste à ce niveau-là. Les personnages sont tout le temps en mouvement
Et ça, il faut vraiment faire attention. Un autre point aussi très important à aborder, dans Baldur's Gate, vous allez créer votre personnage et vous allez pouvoir interagir avec des personnages dits histoire qui font partie du lore du jeu mais qui sont jouables par vous. Et en fait, il faut savoir que c'est aussi une forme de piège, c'est que vous aurez tendance à absolument vouloir jouer avec ces personnages-là et pas forcément partir de votre coin tout seul ou en duo et vous sentir obligé de jouer avec les personnages de la jaquette et d'histoire. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes totalement libre, vous avez la possibilité de découvrir le jeu, vous n'êtes pas obligé de jouer avec 4 persos, vous n'êtes pas obligé d'interagir avec eux, vous pouvez leur dire de dégager et de pouvoir apprécier l'aventure en faisant votre propre RP. Alors vous me direz, vous n'aurez pas certaines séquences dialogue, mais c'est pas grave, vous faites les séquences dialogue entre vous, entre vos amis, et eux, vous pouvez juste les mettre sur le côté ou interagir avec eux sans forcément les jouer, vous n'êtes pas obligé de les avoir et de les optimiser, etc., etc. Alors oui, je veux bien qu'à un moment donné, tu vas vouloir faire l'histoire, mais tu peux très bien faire une partie avec 4 persos que tu auras créé toi grâce à l'aide de tes amis et que tu contrôles 4 persos avec 4 classes différentes que tu auras créé toi. Donc, n'hésitez pas une fois de plus à vous détacher de cet aspect, de vous dire que vous êtes obligé de faire comme ça ou tout le monde dit comme ça. Et si maintenant tu te dis que ouais, il va y avoir des fights de boss où tu vas être obligé d'utiliser tel ou tel perso, vous serez obligé d'être 4, je vous rassure que c'est pas vrai. Moi, je joue mon aventure en duo. Jusqu'à maintenant, on n'a pas du tout été bloqué sur le jeu. On a pu profiter un maximum de notre aventure et à chaque fois, on arrive à trouver une solution, une alternative. On est en désavantage numérique, on a réussi, que ce soit via la diplomatie, que ce soit via les objets à interagir, etc. Il y a toujours un moyen qui va vous permettre de pouvoir avancer dans votre épopée, avancer dans votre mission. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ayez pas peur de l'échec. C'est dans l'échec que vous allez pouvoir apprendre et vous allez pouvoir trouver d'autres solutions. Donc, ne rentrez pas dans ce code de vous dire « on est obligé d'être 4 » ou « ça, c'est pas possible ». Et l'autre point que je vais aborder, c'est de vous dire que vous devez être tel ou tel niveau pour aller dans une certaine zone. Car une fois de plus, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai fait dans mon aventure des choses qui ne sont pas du tout censées être, comme on le dit, de notre niveau. Mais enlevez-vous ça de la tête. Ça va vous bloquer une fois de plus parce qu'à chaque fois, vous allez vous détacher de votre personnage. Être dans votre personnage et aller là où le vent vous mène. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Alors après, évidemment, selon le lore et les caractéristiques que vous avez pris d'un personnage, bah, ça sera plus ou moins compliqué. Mais rien ne vous empêche, à un moment donné, de tuer un boss qui a 400 points d'HP de plus que vous. Si vous en arrivez à trouver la solution, à en avoir les ressources, et bah, vous pourrez, via un moyen ou un autre, d'atteindre un objectif que vous en aurez envie. Donc, détachez-vous forcément de votre niveau, de vous dire « Ah, mais cette zone, ça a l'air compliqué, etc. » C'est en pensant comme ça que vous allez peut-être suivre un parcours un peu plus linéaire. Et le but, c'est de profiter un maximum de la liberté du jeu. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et oui, si maintenant vous voyez un ennemi que vous n'avez pas les ressources et que vous ne pouvez pas le tuer, bah, vous allez fuir, logique. Et l'autre chose importante à savoir aussi dans le jeu, c'est évidemment ce problème qu'il y a du fait qu'il n'y ait pas de VF. Je peux comprendre que vous aurez kiffé une belle BF de qualité, dans laquelle vous aurez pu apprécier le jeu avec des jeux de dialogue, là vous devez lire, mais pourquoi pas intégrer la notion de lore dans ce problème de langue que nous avons dans Baldur's Gate. Car oui, maintenant si tu pars à l'étranger, tu vas en voyage, tu pars à l'aventure, les gens ne vont pas forcément parler la même langue que toi. Que ce soit l'anglais, le japonais, l'espagnol, l'allemand, ce ne sont pas forcément des langues que tu maîtrises. Et en réalité, dis-toi tout simplement, si maintenant à l'heure actuelle tu hésites à commencer le jeu ou tu bloques ce jeu parce que tu n'as pas de VF, bah dis-toi tout simplement que ça fait partie du lore de ton personnage. Tu arrives dans une contrée où les gens ne parlent pas de ta langue et tu vas essayer de pouvoir apprécier, tu vas apprendre un petit peu l'anglais à force de l'écouter et utiliser les sous-titres et en fait, fais ce problème pour l'intégrer au lore et en faire une force et te donner l'avantage de pouvoir un petit peu apprécier et apprendre en anglais. Toutes ces petites astuces font que vous rentrez dans la notion RPG et moi, mon but, c'est pas de vous faire un guide avec des astuces parce que oui, je pourrais vous dire où trouver des armes pétées ou trouver des choses complètement pétées sur le jeu, mais moi, je me sentirais ultra mal à l'aise de devoir vous faire des guides qui vous gâcheraient la surprise et l'expérience du jeu. Chacun est libre de faire ce que vous êtes libre d'aller sur YouTube, d'aller regarder des vidéos qui vont donner des astuces indispensables, etc., qui vont montrer des choses que vous aurez pu découvrir par vous-même sur le jeu. Ça, je le comprends et je le conçois. Mais dites-vous que vraiment, que moi, j'aime l'aspect RP d'un jeu vidéo et que des RPG comme ça, vous n'en avez pas tous les jours qui sortent et ça vaut la peine de les apprécier à sa juste valeur. Donc, maintenant, pour tous ceux qui ont tendance à jouer des jeux qui ne sont pas forcément d'RPG et qui ont peur de commencer Baldur's Gate, ou si vous avez des amis,
Montrez-leur cette vidéo et dites-leur qu'il faut juste qu'ils s'éclatent, qu'ils se déconnectent quasiment du fait que c'est un jeu vidéo et qu'ils s'amusent et qu'ils rentrent dans le lore du personnage. Si vous êtes à 4, n'hésitez pas à faire des imitations de voix, de vous éclater, de vous en fiche, entre guillemets, des conséquences, optimisation. Il y aura des conséquences dans le jeu, ça, il faudra y réfléchir, mais vraiment de vous éclater le plus possible tout en appréciant un maximum le jeu. C'est en tout cas les conseils que moi, je vous donne et j'espère qu'ils vous seront utiles pour que ça puisse changer votre expérience. Si dans le futur, vous avez envie de faire une partie avec moi et que vous êtes assez disponible, bah vous pouvez passer sur mon live et me le proposer. On pourra se caler ça dans le calendrier. En tout cas, vous pouvez venir voir ma partie sur mon live sur Twitch. Moi, je vous ai apprécié de transmettre ces conseils. Je suis vraiment passionné et charmé pour le jeu. C'est un jeu que je recommande. C'est une expérience authentique et unique. Je vous aime fort, les amis. C'était Choup Choup. À la prochaine. Ciao, les amis.